Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, un nouveau sujet, je suis tombé sur une pépite. C'est même pas une pépite, c'est même pas une bombe, c'est du nucléaire. Un truc qui va décoller et qui va être d'une puissance phénoménale. Ça s'appelle Crypto-Futur, donc t'en as peut-être pas entendu parler encore. Ça va être lancé officiellement le 30 juillet en grande pompe à Dubaï. Mais en attendant, on peut déjà participer à l'aventure, on peut être précurseur et du coup se positionner bien comme il faut en attendant le top départ qui sera certainement massif. Donc c'est le moment d'en profiter et d'être dans les mieux positionnés. Donc crypto futur, c'est quoi? Bah, c'est principalement du trading de crypto-monnaie. Voilà, ils ont un système qui permet de fonctionner 24 heures sur 24, bon, 7 jours sur 7. Ils ont trois bureaux, un siège administratif à Londres, un bureau de stratégie à Dubaï et un siège opérationnel à Liverpool. Donc ici, bah, tu trouves à gauche directeur technologie, un Ryan, qui a l'air d'avoir fait des études, ça se voit, hein, à sa tête. Donc là, on voit qu'il est quoi, diplômé en informatique quantique, docteur en génie mécanique. Bon, voilà, quelqu'un qui a déjà bien roulé sa bosse. Tommy Lewis, ben, c'est un millionnaire. Donc lui, bon, son business, c'est plutôt le sport en manière générale, hein, les championnats, donc, plutôt dans les paris. Et le beau gosse de l'aventure, Jeffrey Ribera, donc, qui est un millionnaire qui est visiblement tombé dans la crypto-monnaie quand il était petit, et donc qui a déjà fait sa fortune avec ça et qui amène son expérience à l'édifice. On parle des équipes, hein, donc avec des robots qui permettent de travailler tout le temps. Les chiffres d'affaires, bon, je te laisserai mettre la vidéo en pause pour lire les slides, hein, si ça t'intéresse. Donc là, avec les objectifs et les missions. Voilà, bon, ce qui est important, c'est à partir d'ici, c'est la rémunération en fait que te propose Crypto Futur. Donc en fait, le principe de base, c'est de financer un pack. Tu bloques un budget pour trader. Donc si je passe au pack. Voilà, les packs, ils ont ces valeurs-là. Le premier démarre à 50 dollars. Ça va jusqu'à 100 000 dollars. Donc avec des sauts de plus en plus espacés au fur et à mesure qu'on monte, hein, dans les valeurs. Et chaque dollar est équivalent à un point. Ça, on verra que ça a son importance dans le volume d'équipe. Ce qui est proposé ici, donc tu peux rentrer comme simple investisseur, hein, c'est pas un système de MLM genre pyramidal où il faut que tu ramènes absolument du monde pour que ça puisse fonctionner. Là, on est loin de ça, hein. Donc du coup, tu peux rentrer comme simple investisseur, tu achètes ton pack et puis bah tu laisses faire. Donc l'achat d'un pack, c'est un peu comme un contrat. Donc si tu prends le pack à 100 dollars, mettons, ton argent va être rémunéré pendant 200 jours, le but étant de te faire tripler ta mise, donc d'obtenir 300% à la fin en rendement. Donc tous les jours, en fait, tu vas avoir un pourcentage de gain qui va être reversé, qui va être différent en fonction des jours, puisque ça dépend des résultats de trading de la société. Donc là, on te dit que ça peut aller jusqu'à 3%, mais bien sûr, c'est un maximum. Tu peux très bien avoir du 0,5, hein, il n'y a pas de vérité. Moi, ça fait quelques jours là que je suis dedans. Ça, la moyenne, elle est aux environs de, allez, 1,2 à peu près pour 100. J'ai démarré à 1,08, et puis là, bon, bah, tous les jours, ça monte un peu. Là, la dernière journée, on était à 1,33. Donc, bon, la moyenne doit être aux environs de 1,2, 1,25, quelque chose comme ça. Et en fait, bah ton contrat se terminera au premier des deux termes remplis. C'est-à-dire que pour obtenir 300% en 200 jours, il faudrait que la moyenne soit à 1,5%. Si la moyenne elle est en dessous de 1,5%, bah ça veut dire que ton contrat il va arriver aux 200 jours et que tu n'auras pas récupéré 300%. Tu auras récupéré un peu moins. Mais ton contrat va s'arrêter parce que tu es arrivé aux 200 jours. Si la moyenne est au-dessus de 1,5%, bah ton contrat il s'arrêtera avant les 200 jours puisque tu auras atteint les 300%. Voilà. Tu ne peux pas dépasser les 300% de gains. Donc c'est au premier des deux jalons auxquels tu arrives, ça met fin à ton pack. Sachant que ça, enfin,
le fait d'être dans un pack de 200 jours, ça ne te bloque pas. Hein. C'est pas un drame en soi. Donc le fait que ça s'arrête, que ça continue, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rendement. Donc là, retiens ça. En tant que simple investisseur, tous les jours, il y a un pourcentage qui tombe. Lorsque cet argent tombe, c'est de l'argent qui est disponible. Tu n'es pas obligé d'attendre les 200 jours ou d'être arrivé à 300% pour récupérer tes sous. Tous les jours, il va te tomber une somme. À partir du moment où tu atteins 50 dollars, tu peux les retirer. C'est écrit retrait minimal 50 dollars du lundi au vendredi. Parce que le rendement, c'est pareil, hein, le bonus quotidien, il tombe du lundi au vendredi. Il ne se passe rien le samedi et le dimanche. Donc quand on parle de 200 jours, divisé par 5, ça fait 40 semaines. Donc c'est à peu près 10 mois, un peu moins. Donc tu peux retirer 50 dollars. Après, tu retires au rythme que tu veux. Sachant que si tu retires trop souvent, bon, tu as quand même des pénalités, puisque Crypto Futur prend 10% si tu retires tous les jours. Donc ça, c'est si tu as un pack suffisamment élevé qui te permet d'avoir 50 dollars de gains quotidien. Donc 10% si tu retires tous les jours, 7% si tu retires toutes les semaines, et 3% si tu retires tous les mois ou moins. Donc je serais tenté de dire que bah, t'es mieux à attendre un mois, et puis bah, une fois par mois, tu fais un retrait de tes gains, et puis bah, comme ça, tu les utilises soit pour autre chose, ou pour upgrader ton pack. Puisque ce qui est possible, c'est passer au pack supérieur. Tu ne peux pas redescendre, puisque une fois que tu t'es engagé, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure sur le pack de 100$, bah, tant que ton contrat il est en cours sur le 100$, tu ne peux pas ouvrir un contrat à 50$, puisque tu ne peux ouvrir qu'un contrat à la fois. Mais par contre, tu peux monter au pack de 300$. Ça, c'est tout à fait possible. Pour ça, bah, tu paieras la différence. Donc là, ça peut être plus long, mais si on prend par exemple 300$, bah, les 200$ qu'il y a ici, si tu laisses faire le bonus à 1,2, bon voilà, il va te falloir à peu près 2 mois, quelque chose comme ça, pour que tes 200$ qui soient revenus. Bah, tu reprends tes 200$ et puis tu décides d'acheter le pack à 500. Comme ça, tu repars pour un nouveau contrat de 200 jours, mais seulement, au lieu d'avoir le pourcentage qui s'applique sur 300, bah, il s'applique sur 500. Donc voilà, tu vas gagner plus. Donc au lieu de viser 900$ quand tu achètes ce pack-là, bah, tu vas viser 1500$. Donc ça va plus haut et plus fort. Voilà. Donc ça, c'est la partie où tu es investisseur simple. Maintenant, tu peux décider de parrainer, d'en parler autour de toi et de trouver des gens que ça intéresse. Ça, c'est pas interdit. Même si c'est pas obligatoire, ça t'empêche pas de le faire. Puisque ça peut te rapporter du bonus complémentaire. Donc, tous les gens que toi, tu vas parrainer avec ton lien d'affiliation vont te rapporter 6% sur leurs achats de packs. Donc, si tu trouves un filleul qui prend un pack à 100$ aussi, hein, et ben toi, tu vas toucher 6$. Donc ça, tu le touches une fois quand il achète son pack. S'il laisse aller son pack jusqu'aux 200 jours et que bah, il rachète un pack à 100$ derrière pour continuer, et bah, tu retoucheras 6$. Si en cours de route, il décide d'upgrader son pack et de passer au pack à 300$, et bah, tu retoucheras 6% sur l'augmentation de son pack. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un financement ou refinancement, donc voilà, upgrading, renouvellement, et bah, toi tu touches une commission. Donc ça, surtout les gens que tu parraines, quel que soit le niveau où ils se trouvent. Après, il y a le binaire. Donc le binaire, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut, quand toi, tu démarres, il faut essayer de te trouver deux filleuls directs que tu vas placer un à droite et un à gauche. Et à partir du moment où ils sont inscrits et qu'ils activent un pack, quel que soit le niveau, hein, même si c'est le pack de 50$, à ce moment-là, tu es validé pour le binaire. Donc après, ce qui se passera, c'est que bon, bah, si tu as juste ces deux filleuls-là, il ne se passera rien. Mais si tes filleuls trouvent aussi des filleuls, ou si toi, bah, tu as trouvé plus de deux filleuls, tu ne peux en avoir que deux là en dessous de toi. Donc le troisième, bah, il sera soit à droite, soit à gauche. C'est toi qui choisis, tu peux choisir de la branche dans laquelle tu le mets. Et du coup, à partir de ce niveau-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, le système va regarder le nombre de points qu'il y a dans chaque branche. Donc, je rappelle, 1$ égale 1 point. Et il va prendre la branche la plus faible,
le total des points de la branche la plus faible, donc là c'est la branche droite qui est à 6000 points, et il va en prendre 8%. Donc là pour 6000 points, ça fait 480$. Et ces 480$ retombent chez toi tous les jours et viennent se mettre dans le 300%. Donc là ça paraît énorme puisqu'ils sont déjà à 6000 points. Au départ, forcément, tu vas pas démarrer à ce niveau-là. Mais imaginons que ton filleul là, qui a pris un pack à 100$, trouve aussi deux personnes, ou toi tu as deux autres personnes qui prennent aussi pack à 100$. Bah, donc s'ils prennent chacun un pack à 100$ ici, tu vas avoir 200 points. En admettant que dans l'autre branche, il y a quelqu'un qui a pris le pack à 300, et du coup, il y a plus de points ici. Donc si ça reste ta branche la plus faible, tu auras une branche faible à 200$. À 200, oui, à 200$, donc à 200 points. Sur des 200 points, tu prends 8%, ça fait 16$. Ça veut dire que si rien ne bouge dans ta structure, bah, tous les jours, tu vas avoir 16$ qui vont tomber dans ton escarcelle et qui vont venir contribuer aux 300%. Donc c'est un sérieux accélérateur. Parce que là, du coup, 16$, là où si tu as mis toi 100$ au départ et puis qu'on est à un taux de 1,2 là, moyen, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que par le gain journalier, il va te rentrer 1,20$, mais par contre, il va te rentrer 16$ grâce à l'équipe, aux gens qui sont en dessous. Donc, très important. Et il y a un troisième bonus qui est le bonus résiduel. Donc lui qui est beaucoup moins gros, mais qui est un bonus complémentaire quand même. Qui fait que sur les trois niveaux en dessous de toi, tu touches 2% de leur gain. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas gros, parce que c'est du centime. Hein, surtout quand tu es sur des packs à 100. Mais, puisque du coup, les personnes là qui sont en dessous, s'ils sont tous à 100$, comme je disais tout à l'heure, bah, ils vont toucher chacune... 1,20$, si on reste sur ma moyenne. Donc là, bah, tu as 3,60$ dans cette branche-là. Toi, tu vas toucher 2% de ça. Donc ça fait à peine 2 centimes. Forcément, c'est pas lourd. Tu vas toucher aussi sur cette branche-là. Donc après, bah, sur 3 niveaux, en fonction de l'investissement de tes filleuls, ben, ton résiduel il va être plus ou moins important. Si on imagine à contrario que tu as des gens qui ont un bon pouvoir d'investissement, bon ben, s'ils ont pris 1000$ chacun, du coup ça fait 12$ par personne, donc ça fait 36$ de gain par jour. Toi tu vas prendre 2% des 36$, donc ça fait 72 centimes par jour. C'est tous les jours, donc ça se prend quand même, parce que ça vient t'aider toujours dans tes 300% à obtenir ton gain maximum. Donc ce qui fait que, voilà, si toi t'as rentré des gens, que t'as pris 6% de bonus, que t'as pris 8% de binaire, et puis que tu prends tes 2% de résiduel, mais du coup ton contrat il ira jamais jusqu'à 200 jours, puisqu'il va s'arrêter beaucoup plus tôt. Et ça je vais te le montrer dans la prochaine vidéo, j'ai préparé une petite simulation, où je vais t'expliquer justement ce qu'il faut faire pour optimiser ton rendement. Et tu verras que tes 300%, tu peux les obtenir très rapidement. Très loin des 200 jours. Donc voilà. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu as des filleuls qui rentrent chez toi, mais que toi, tu n'as pas parrainé. Parce que tu as des gens au-dessus de toi. Donc si eux, bah, ils parrainent beaucoup, bah, du coup, les gens vont redescendre en dessous de toi. Donc là, si tu as activé le binaire, que toi tu as placé tes deux filleuls ici, bah, tu toucheras pas les 6% puisque c'est pas toi qui as parrainé. Donc c'est le parrain qui aura donné son lien, c'est lui qui récupère les 6% sur l'achat des packs, ce qui est normal. Mais par contre, le fait qu'ils soient arrivés en dessous de toi, ils vont être comptabilisés dans les branches faibles et fortes pour le nombre de points. Donc toi, tu vas récupérer le binaire sur des gens que tu n'as pas parrainé. D'où l'intérêt d'y être tôt dans l'aventure, de manière à ce que les gens viennent se placer plutôt derrière toi plutôt que devant. Donc c'est le moment d'y aller. Et donc je rappelle que pour que ça puisse fonctionner le binaire, il faut que toi tu rentres, que tu achètes un pack, et que tu aies deux personnes qui rentrent derrière toi, que toi tu parraines, et qu'ils achètent un pack aussi. Et là tu seras prêt pour la suite de l'aventure. Et tu toucheras le résiduel aussi, parce que le résiduel tu le touches si le binaire est activé. Sinon tu n'as pas. Donc si toi tu rentres, mais que là tu as des gens qui tombent en dessous de toi, mais que c'est pas toi qui les as parrainés, que tu n'as aucun filleul en fait, que toi tu as rentré, bah là tu n'auras rien. Tu n'auras pas les 6%,
t'auras pas le binaire parce que t'auras pas mis des gens, un dans la branche droite, un dans la branche gauche, donc du coup tu seras pas, ton binaire sera pas activé, donc t'auras pas le droit à ça, et t'auras pas le droit au résiduel puisque puisque tu n'as pas le droit au binaire, tout est lié. Donc voilà, donc deux options, tu rentres comme simple investisseur, tu mets ton argent et puis bah tu l'oublies et puis tu te reconnectes une fois par mois pour récupérer tes gains, ou tu le laisses courir jusqu'au bout et puis tu récupères ton argent plus tard. Ou alors tu décides de construire une équipe, c'est un bien grand mot, mais de parrainer quelques personnes, et puis de là bah, tu obtiendras des pourcentages qui te feront avancer nettement plus vite. Ne rate pas ma prochaine vidéo, parce que tu vas voir que quand je dis nettement plus vite, c'est vraiment nettement plus vite. Donc voilà, et puis ce qu'il y a en plus, donc ce sont les espèces de rangs carrière, puisque ici on voit qu'il y a 2% sur les trois premiers niveaux. Mais après, sur le quatrième niveau, si on veut continuer de toucher de la commission, donc à hauteur de 1,5% sur le quatrième niveau, il faut être au statut rubis. C'est une condition. Il faut être au statut rubis. Et donc, pour être au statut rubis, la condition à remplir, c'est d'avoir 40 000 points dans ses équipes. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est évident. Hein. Oublie pas, un point, c'est un dollar. Donc ça veut dire que là, il faut que tu aies recruté, que tu aies parrainé des gens qui ont pris en tout 1000 dollars de pack. Bon, ça doit pas être trop compliqué. Les 5000, ça doit être un chouïa plus long. Mais là, par contre, il y a un bon gap là. Donc du coup, c'est le plus long. Et quand tu obtiens ce statut rubis, en plus des 1,5% de résiduel que tu touches sur le quatrième niveau, tu as une prime de 1500 dollars, qui est une équivalence, hein, c'est pour ça que là c'est mi-valeur, parce que ces cadeaux-là, ils te sont pas donnés, hein, je te rassure, celui qui arrivera à 10 millions, il aura pas un bateau. En fait, c'est versé en Bitcoin. Donc là, ce qu'on te donne, en fait, c'est une prime iPhone 12, c'est comme ça qu'elle est appelée, hein. Le bonus iPhone 12, voilà, c'est une valeur de 1500 dollars, payé en Bitcoin, et c'est valable en fait pour tous les cadeaux qui sont ici. Il y a une valeur en face et c'est cette valeur qui t'est donnée en Bitcoin. Donc tu n'auras pas besoin de revendre ta Rolex ou ta Mercedes si tu n'en veux pas, puisqu'on te donnera des Bitcoins. Donc c'est plus simple. Donc voilà, une autre précision, c'est le chargement pour acheter les packs, la manière d'acheter les packs. On les paye en Bitcoin, en Litecoin et en Dogecoin. Donc voilà, donc avec le wallet Binance par exemple, en Litecoin, c'est génial parce que tu as très peu de frais. Donc ça se fait très, très facilement. Donc voilà, donc je t'invite à regarder la vidéo suivante qui va te parler de stratégie et qui va t'expliquer des choses qui sont très importantes. Donc je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, comme ça tu ne la rateras pas. De me mettre un pouce, ça me ferait plaisir, ça va m'encourager. Et puis bah, tu peux mettre un commentaire, je te laisse mon Telegram aussi si tu veux me contacter directement. Puisque je mettrai pas mon lien d'affiliation en dessous de la vidéo, puisque je ne veux que des gens sérieux dans mon équipe quand même, puisque si des gens s'inscrivent mais n'achètent pas de pack, ils occupent une position mais au final qui ne sert à rien et à personne. Donc je préfère qu'on entre en contact d'abord par Telegram ou par mail et qu'on puisse échanger, et quand je sens que tu es vraiment intéressé, à ce moment-là je te donne mon lien d'affiliation et je te place au mieux de tes intérêts, puisque ton intérêt c'est le mien, donc forcément que je vais prendre soin de mon équipe, et c'est pour ça que je ne veux pas de fantômes dedans. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et passe une bonne journée.